Bon, on va arrêter de flâner sur les crabes. Et étant donné que notre mission est terminée un peu plus brièvement que je pensais, on va continuer avec quelques missions aux annexes. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, il y a une quête recherchée pour mort à proximité. Et ben, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Et on va y aller à pied parce que j'ai la flemme de faire un chargement. Oh putain, un ours. Ok, il va m'attaquer. Voilà. Alors, pour tous les défenseurs des animaux, l'ours allait m'attaquer. C'était la légitime défense. Alors, parlant de d'animaux prédateurs, j'ai remarqué quelque chose dans le jeu de Far Cry. C'est que vous avez les animaux qui sont répartis par biome, enfin plutôt par zone, et non pas par biome. En gros, vous avez une zone avec des chevreuils, une zone avec des sangliers, je sais pas, une zone avec des casoars, etc. Et dans chaque jeu. Excusez-moi, j'ai la langue qui fourche. Et dans chaque zone, vous avez un ou plusieurs prédateurs qui spawnent à chaque fois. Et ces prédateurs, ça peut très bien être des tigres, comme des ours, comme des je sais plus trop quoi. Alors, on va prendre cette quête. 325 dollars. Suivez la tradition Rakia en utilisant un couteau pour tuer un pirate qui rôde près d'une ferme du coin. Eh ben excellent. Excellent. On va faire ça. Let's do this. C'est par là. Mais vous savez quoi? D'abord, on va se recharger en munitions. Parce que je suis pas non plus full full. On va un peu voir qu'est-ce qu'on peut acheter comme munitions à gogo. Alors, remplir l'inventaire. Voilà. Un peu de cartouches. Et je vais juste en profiter pour faire quelque chose en plus. Alors, c'est où ça? Carte, voilà. Arme de corps à corps. Oh, trop la classe! Je peux changer de couteau. C'est trop bien ça. Le tanto est une arme, lame japonaise portée par les samouraïs. Si vous utilisez, elle augmentera les dégâts que vous infligez. Ah, bah, très bien. Je vais prendre ça. Et je vais acheter quelques cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore acheté? Bah tiens. Butin Gastown, je vais prendre ça. Objet Thrustdown. Voilà. Il me reste encore un peu d'argent. Je vais prendre objet le complexe. Voilà. Ok, il me restera plein de trucs. Ah, mais je vais pouvoir encore m'acheter. Objet quai de breakpoint. Voilà, je vais m'acheter tout ça. Oups, qu'est-ce que je viens de faire? Voilà. Très bien. Donc là, j'ai fait les courses au supermarché Leclerc du coin. Et donc c'est reparti pour cette fois-ci buter le pirate. Fallait le buter au couteau, hein. Je sais plus. Bon, très bien, on avisera sur place. On le tuera au tanto japonais. Magnifique, vraiment. Alors. Ok. Oh putain, je vois un laser. Je vois un putain de laser. Hop là. Et des pirates. Oula, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, quand même. Et un sniper par là. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par tuer lui. What? D'accord. J'ai juste oublié que c'était ça. Non? Ah non! J'ai pas le bon sniper. Oh non, non, oh non, oh non, oh non. J'ai pas le bon sniper. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. De rien du tout. Je vais aller chercher le bon sniper. Celui qui tue tout le monde. Et puis, je vous reprends. Donc, re tout le monde. Pour vous, ça s'est passé, il s'est passé que même pas une seconde. Mais pour moi, ça a été le fail le plus total. Tout simplement parce que je me suis trompé encore une fois de sniper. En fait, j'ai pas validé le truc, du coup, je me suis retrouvé avec le même et à parler comme un con. Bref, c'est parti. Hop là. Voilà. On va essayer de faire en sorte vraiment. Ah, il y en a d'autres. Ah non, c'est juste moi qui les ai perdus de vue. Voilà. Alors, on peut tuer les lourds au sniper. C'est possible. Voilà, comme ça. Ouais, là c'était du fail. Voilà. Ok, c'est bon. Je vais pouvoir les buter.
Voilà, en pleine tête. Ah bah pas en pleine tête. Ah fuck. Ah, c'est ma cible, ok. J'ai bien fait de faire attention, ma cible est le sniper. J'ai bien fait de pas tirer comme un con. Sinon j'aurais réitéré le fail du dernier épisode de vidéo détente. Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder. Ce qu'on va faire, c'est que je vais recharger. Voilà. Je vais prendre cette arme-là. Non, non, non. Ouah! Ok, c'est bon. Et on va essayer de s'approcher. On va essayer de s'approcher de du sniper le plus discrètement possible qu'il soit. Alors, trouver et tuer le commandant. Voilà, c'est ça. D'accord. Il faut une élimination. Et il y a un autre gars dans la pièce. Alors ça, c'est pas bon. Oh fuck. Comment je vais faire ça? Ah, je sais. On va les prendre d'une autre manière. Hop, à l'abri. Alors, regardez comment on va faire. On sait que les deux Gugus se situent par là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de viser celui qui est pas le bon. Voilà. Voilà, il faut réitérer ça. Il faut que je réussisse à l'avoir dans la tête. Voilà. Ok, maintenant on prend ça. Ouais, voilà. Et maintenant, on va se rapprocher de lui par derrière. Et on va le prendre par derrière. Blague de merde. Ouh là là là. Vite, 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 on va courir là-bas. N'en déplaise au poulet. Hop, alors il est où? Ah oui, d'accord, il est bien placé, l'enflure. Voilà! C'est fait. Très bien. Eh ben, c'est bien réussi. On s'est pas trop fait repérer. Alors, il y a des loots par là. Et on va faire encore quelque chose parce que ça fait vraiment une vidéo assez courte du coup. On va. Oh, il y a une quête de ravitaillement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la quête de ravitaillement. Non, je suis vraiment nul en quête de ravitaillement. J'ai pas envie de vous proposer un niveau de merde. En fait, j'ai surtout pas envie de vous proposer une vidéo où je m'arrête pas de me failer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller à AM12. Et on va faire une autre quête pour buter du pirate, parce que après tout c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, c'est pour profiter de l'île et pour voir des pirates se faire buter. Ok, donc une autre petite quête. Et après on finira, je pense, avec un peu d'exploration. On verra bien. On verra bien comment on va goupiller ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre cette quête-là. Voilà. D'accord, donc c'est la même chose que d'habitude. Il n'y a pas de nouveauté. C'est par là-bas. Et je me suis fait bloquer par un Yuka. Non, pas par un Yuka. Par un. Enfin, ces plantes-là, voilà. On va pas faire nos botanistes. Ok, donc c'est juste là-bas, on a de la chance, le point de vue est plutôt pas mal. On a un avantage sur eux. Ah, on en a un autre. Mais où est la cible? Écoutez, on s'en fiche. On va les sniper. Non. Oh non, mais vraiment. Fuck. Ok. On va vraiment faire attention parce que là je me suis fait déjà fait repérer dès le premier tir. Purée. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit sa tête? J'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il se rapproche de moi. Et ça, j'aime pas du tout.
Ok, il s'est tiré par ici. Voilà. Alors là, il y a une cible. Ok, c'est un classique. Ok, on va essayer de l'avoir. Voilà. Oh merde! Il est super près, lui. Ok. Vous allez me voir à la mitraillette. Voilà. Oh fuck! Fuck, 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 fuck. Ah oui, d'accord. On va faire vraiment attention. Vous savez quoi? On va y aller en mode gros build. On va pas réfléchir. Voilà. C'était pas la cible. J'ai bien vérifié parce que j'ai surtout pas envie de faire comme le dernier épisode. Ok. La cible, je vois pas où elle est, c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Elle est où cette cible? Elle est là, ok d'accord, je la vois. Ok, j'ai préparé mon couteau. Et voilà. Bon, j'ai pas vérifié que c'était lui, mais bon, c'était forcément lui, hein. Ok, donc on s'est fait un peu de thunes. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà looter l'endroit. On va déjà looter l'endroit à fond, la caisse. Parce qu'il me semble qu'il y a plein, plein, plein de trucs à choper. Comment on monte là-haut? On peut bien monter. Il y a bien un... Ah, ok, d'accord, il y a un escalier. Par là. D'accord. Bon. Ok. Donc. Ça, c'est ça. Ouh. Dis donc. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Et des grenades à gogo. On s'en fiche. Ok. Pipa crack. C'est cool. Voilà. Très bien. Ah, il y en a encore un par ici. Que je revende ça. Hop, voilà. On va se soigner. Et on va... Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Est-ce qu'il y a des quêtes annexes? Parce que il y a des quêtes annexes en plus de tout ça. Il y a des quêtes qui sont les petites quêtes symbolisées par des points d'exclamation sur la carte. Donc, par exemple, ici. Et on va... On va... Mais ça, c'est ça, il me semble que c'est des... Bon, écoutez, on va essayer ça. On va essayer de faire une petite quête point d'exclamation. Parce que ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air d'être des petites quêtes annexes assez sympathiques. Vu que j'en ai déjà fait, il me semble, des quêtes de ce genre. Mais d'abord, on va un peu se recharger en munitions. Et on va aussi vendre nos loot. Ok. Alors, on va... Hop, se débarrasser de tout ce bordel. Voilà. Voilà. Très bien. Ah non, il y a encore ça. Voilà, donc ça me fait 2565 $. Ce qui est pas trop mal, hein. Et on va pouvoir encore s'acheter des cartes. Plus de cartes, plus. Alors, butin Surstone. Je vais prendre ça. Il me reste 1000 $ et quelques. Et j'ai plus assez de fric. Bon, bah écoutez. C'est très bien. On va... non, c'est bon. Ok. Très bien. Oh, des bananes. On va faire cette petite quête. Et il y a des loot. Ah, moi les loot. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mission? Elle est relativement loin d'ici. Du coup, je vais prendre une bagnole. Voilà. Ce sera plus rapide. C'est parti. Alors, je tiens à préciser que je suis une merde en conduite. Oh là 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 là. Et dire que je vais passer mon permis cette année. Oh putain. Ma conduite accompagnée, je précise. Ah. Et dégagez. Dégage. Dégage! Mais il se fout de ma gueule? Allez!
Bon. On va le pousser, hein. Mais allez, dégage! Bon. Eh bon, on y était. Oh là là, j'ai pas fait attention, moi. Allez hop, on va passer par là. Un raccourci. Et voilà, on y est. Bon. Alors, c'est ici apparemment. Ce petit camp, dans cette petite base avancée. En plus de loot, il y a une mission. Ok, c'est là. Voilà. De la viande de chien. D'accord. Bah elle est par où? Attendez. J'y suis là, à la mission. Ah, peut-être que c'est à l'intérieur, attendez. What? Ah d'accord, on peut rentrer. D'accord. Bonjour. Alors c'est vous l'homme dont parlent les villageois. Soyez béni, c'est gentil de m'écouter. Je m'appelle Jason. Je peux vous demander de l'aide? Ça me gêne. Mais je peux pas me confier aux gens d'ici. Les membres de la paroisse ne savent pas tenir au secret. Ça ira, je serai muet. Soyez béni. Oh, je dis ça souvent. Mon mari me fait tout le temps la remarque. David est un homme très pieux. Mais j'ai bien peur qu'il ait une liaison avec une autre femme. Désolé. Je ne veux pas la voir. Mais je veux savoir. Vous pourriez l'espionner pour moi? Pour savoir qui il fréquente. Si c'est vrai, je sais que le Seigneur lui pardonnera. Donc on va jouer les détectives privés. Parce que faut pas croire, hein, les détectives privés, ils font très rarement des vraies affaires avec des criminels. Hein. La plupart du temps, c'est suivre à la trace un mari ou une femme. C'est David. À qui il parle? Peut-être que je peux me rapprocher. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Pourquoi il y a eu un compte à rebours? C'est facile pour toi. T'as rien à perdre. Moi, j'ai Rebecca. Tu lui mens. Je l'aime. Mais tu lui mens. Elle est très croyante. Elle ne comprendrait pas. Je veux pas lui faire de mal. C'est déjà fait. Elle ne le sait pas encore, c'est tout. T'es injuste. Oh, pense à elle. Fais-le pour moi. Chut. Pas si fort, Jalak. Tu crois que j'ai rien à perdre? S'il te plaît, si tu décides de la garder, elle t'aura pour elle. Et je me retrouve... Et je fais quoi maintenant? Ok, je rentre maintenant. Donc effectivement, il la trompe. C'est votre femme qui m'envoie. Que voulez-vous? Je vous paierai pas. Vous devez trouver le courage de lui dire. Ouais. Oui, je sais. Merci de me donner une chance de le faire. Que ma famille va bien. Vous restez avec elle? Peu importe. J'ai blessé deux personnes que j'aimais. Je mérite aucune des deux. Ok, d'accord. Voilà, voilà. Donc, on a éclairé la situation, clarifié la situation, voilà. Et on va faire une autre petite mission comme ça, parce qu'elles sont vraiment sympathiques à faire, ces petites missions. Elles sortent de l'ordinaire des missions où il faut tuer du monde et tuer une cible, en rajoutant un petit aspect RP au jeu, qui est vraiment très sympathique. Donc, on va en trouver une autre, une petite quête dans le genre. Alors, il y en a une autre par... j'en avais vu une, mais je sais plus où. Alors, dézoom, voilà. Il y en a une ici, ça s'appelle le Crash. Ah oui, d'accord, il y en a beaucoup. Il y en a pour un certain temps, avec toutes ces quêtes. On va donc aller à AM12. Et on va s'occuper de cette mission.